Cool, et où Yarmage, comment ça va? Très bien, tout va bien. Alors je suis avec le groupe entier, là je suis donc avec Gwen et Aurélien. C'est ça. Et ça se passe comment là pour vous en scène? Pour le moment on vient de débarquer sur le lieu du festival. On est vendredi, le concert c'est dimanche, on tâte un peu le terrain, on regarde comment ça se passe et puis on fait monter aussi doucement la pression nous parce qu'on a besoin de ressentir un peu ça, d'être sur les lieux pour s'imprégner du truc et envoyer la patate dimanche. On va situer un peu la scène, donc vous faites partie de ces groupes d'avant-scène, scène de l'industrie. C'est quand même déjà vous êtes déjà gagnant au final par rapport à ça. Et en plus, vous avez, je crois, alors ce que je disais vite fait avant de lancer l'interview, j'en parlais à Gwen, c'est vraiment la date la plus compliquée selon moi pour les jeunes groupes. Mais en même temps, c'est celle où le programmateur, je pense, donne la plus de confiance pour un jeune groupe parce qu'à 2h30 un dimanche, c'est particulier. Ouais. L'année dernière, il y avait Fletcher Chatterton, c'est même pas rien aussi. Ouais. Vous avez la pression déjà comme ça ou... Non, la pression, non, on va essayer de pas l'avoir. Mais on sait qu'à 2h30 un dimanche, il va y avoir quand même un peu de monde quoi, devant. Il y a du monde, ouais. Et on sait qu'il n'y a pas non plus 10 000 groupes qui jouent en même temps, donc on espère que les gens... Il n'y a que pour vous, hein. On espère. Du coup, il va falloir vraiment se donner à fond et je pense qu'on va le faire, quoi. On va se lâcher comme jamais, quoi. Parce que moi, je vous ai vu déjà pour la première date, je pense, du nouvel album. Il y avait quand même, je pense, il y avait aussi la famille et pas mal de copains qui étaient là. Une bonne ambiance, ça marche plutôt pas mal, le nouvel album. C'était où? C'est au Café de la Danse? C'est au Café de la Danse, okay. Effectivement. Ouais. Et du coup là le concert, le spectacle a un peu évolué ou on reste sur les mêmes bases? On reste sur les mêmes bases, après c'était un concert de rentrée pour nous le Café de la Danse et du coup on avait vachement travaillé pour mieux appréhender les chansons et puis là on a rodé un peu le spectacle, on a pris nos bases par rapport au truc et je crois que Rock en Seine arrive vraiment à point nommé parce que c'est... On a envie de faire vivre les chansons quoi. Enfin, ouais voilà. Ce sera votre premier vrai gros concert parce que là il y a quand même 1500 personnes, on peut attendre 1500 personnes sur la scène. Ouais à peu près. On sait pas du tout, on va voir combien. On doit avouer que plus il y en a et moins ça nous fait peur en fait. Puis il y a de monde, moins tu vois de monde effectivement. C'est sûr, tu joues juste devant ton père et ta mère, t'as un peu de pression mais là. C'est ça. Bon, comment ça se passe, l'album, il y a quand même des bons retours. Hein. Bah, il sort quoi encore? Spécialement aujourd'hui, là, il y a notre nouveau single Sharks. The Shark. Ouais, qui vient de sortir et on est super étonnés, on a que des bons retours et. C'est trop cool quoi. Déjà le tout premier Speaking Machine avait quand même bien marché, marqué un cap vraiment par rapport au son d'avant. Il y avait une volonté de notre part de sortir un truc qui sortait un peu des sentiers battus par rapport à tout ce qu'on avait pu faire auparavant et du coup on a sorti ce morceau qui est assez froid et qui changeait radicalement de style pour vraiment marquer le retour de We Are Match. C'était un pari un peu osé mais ça a plutôt bien fonctionné. Puis là on commence à lâcher les morceaux et c'est assez marrant parce qu'on a eu une pause en gros d'un an et demi pendant laquelle on a composé l'album. Et du coup c'était vraiment silence radio dans tous les sens, que ce soit au niveau média, même nous nos prises de parole, il n'y en avait pas spécialement. Mais en fait ça nous a fait bizarre là de recommencer à relâcher de la musique, à repointer le bout de notre nez. De relâcher la pression. La pression. Et puis là en fait on sent que en fait il y a plein de choses qui se mettent en place. Hein. On a une petite brise qui arrive et après on espère avoir le vent en poupe. Et tout se met en place et tout se met vachement bien en place parce qu'effectivement il y a déjà eu 3 singles qui sont sortis. Mm. Le troisième aujourd'hui, donc vendredi, premier jour de Rock en Seine. Après ça va continuer parce que Rock en Seine n'est qu'une étape par rapport à votre tournée pour cet album. Il y aura une release aussi partie qui sera à la maroquinerie. Quelle date encore? Le 21 octobre. Ouais. 21 octobre, parce que l'album il sort. Il sort le 25 septembre avant. Ouais. Voilà, très bien. Et moi j'ai pu l'écouter l'album aussi justement, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter. Et il est vrai qu'il marque aussi, pas une rupture parce que c'est vraiment ça continue mais ça va plus loin, vous cherchez un peu plus loin, votre musique, votre pop évolue. Elle est moins chaton on va dire. Ouais, mais c'était le but aussi. Mais plus rock, plus viril et puis surtout c'est les titres qui s'enchaînent sont vraiment très différents les uns des autres et tout s'imbrique vraiment parfaitement bien. C'est ce qu'on voulait en fait à la toute base quand on a commencé à réfléchir au concept, enfin pas concept de l'album, concept au pluriel, c'était vraiment avoir plein de chansons qui sont vraiment différentes et aborder plein de thèmes qui nous évoquent plein de choses en fait. Et c'est pas non plus un album fourre-tout parce que il y a quand même une ligne directrice qui est assez précise mais qui aborde justement le titre de l'album c'est Shores et on voulait aborder en fait plein de rivages et du coup Didier Varro qui a dit ça, c'est un album foutrac. Oui, on aime bien ce terme. Foutrac, c'est sur le terme négatif, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, comment ça se passe les compositions justement entre vous? C'est un vrai groupe, hein, il n'y a pas forcément de têtes qui ressortent. Non, mais c'est ce qu'on a toujours été et c'est ce qu'on restera justement. Vous êtes rencontrés comment?
On est tous potes d'enfance en fait. Les plus vieux amis d'enfance se sont rencontrés au CM1 en griffonnant sur des murs de récré. Enfin, c'est vraiment des vieux de la vieille. Et en fait, on n'a jamais fait de musique ensemble avant en fait ce projet. Genre, on avait tous nos petits projets dans notre coin, dans notre chambre, et puis on se les montrait. Et puis dès le départ, vous avez tous eu envie déjà de faire de la musique. Ouais, il y avait cette grosse volonté là. Besoin de s'exprimer à travers la musique. Ouais, carrément. Bah, on a tous un peu fait nos geeks à un moment dans nos chambres et justement on s'observait, genre où est-ce que t'en es toi, à apprendre à emmagasiner plein de choses. Il y en a un qui a décidé d'apprendre des milliers de morceaux à la guitare, l'autre qui a décidé d'apprendre tous les instruments possibles et inimaginables. Et du coup on s'est changé vachement de choses, et puis à un moment on s'est dit mais merde, pourquoi on fait pas de la musique ensemble. Et ça a été un peu Eureka, et voilà, ça a donné un EP, une super belle histoire. Et We Are Match, ça veut dire en fait que toutes ces personnalités seront matchées ensemble. Ouais, c'est ça. Les chats dans le premier album, il y a toute cette image de chat. Les chats en fait c'était une grosse blague en fait entre nous, quoi. Je me rappelle encore de ce jour-là, on était posés dans notre appart à Boulogne. On habitait juste derrière là. Un petit immeuble qui est en face. On fera une petite dédicace à nos voisins le jour du concert. Et en gros on était posés dans notre canapé et puis on disait on doit faire une photo dans un lieu un peu cool, on regardait tous les lieux et on disait ouais ça c'est cliché, c'est pas bien. On fait pourquoi est-ce qu'on resterait pas juste dans notre canapé qui est trop pourrave et c'est marrant, c'est chez nous. Et après on s'est dit ouais on pourrait mettre un truc un peu plus drôle, on s'est dit venez, on se met des têtes de chat quoi. C'est ça qui clique beaucoup plus sur internet aussi. Ouais, il n'y avait pas spécialement cette volonté là. Vraiment la blague quoi, genre. Ouais, c'est juste une blague. Je crois qu'on a vu une photo qui était d'un gars avec une tête de chat, on a fait. Finalement ça vous marque cette photo, c'est la seule qu'on retrouve. Ouais c'est vrai. Là on vous voit finalement beau visage, etc. On nous a dit pas, ça revient souvent les chatons de la pop, etc. Bon, ouais, après, parce qu'on voit des chats, donc on parle de ça. Évidemment, après nous il n'y avait pas spécialement cette volonté là, par contre il y avait la volonté de pas montrer nos... Enfin, en fait, on voit plein de groupes qui, leur photo de presse dit déjà tout en fait sur le groupe, révèle tout. Et nous, en fait, c'était le premier truc qu'on lançait. On avait jamais rien mis sur internet, ni partagé notre musique avec des personnes. On voulait juste que les personnes s'intéressent uniquement à la musique et pas forcément à nos gueules, ni à des photos de presse. Enfin, tu sais, il y a vachement de groupes qui font de la folk et qui se prennent en photo en forêt, des groupes qui font de la musique indus et qui se prennent en photo avec une grosse usine derrière eux et qui posent comme ça, tu vois. Enfin, nous, ça ne ressemble pas. On n'était pas du tout dans cette optique. On voulait juste un truc cool, marrant et qui. Un truc fun. En fait, c'est de mettre surtout la musique en avant et pas forcément l'image. C'est ça. Du coup, les gens, ils ont jamais parlé de nous directement, mais des chats, donc c'était cool aussi. Quoi. Ah ouais, mais après, c'est sûr, parce que les chats, c'est mignon tout plein. Ouais, voilà. Après, il est vrai que la voix dans We Are Match est un petit peu moelleuse à des moments, dans les aigus. Un peu. Mais ça correspond aussi à un univers qui est super sympathique, mais qui évolue, parce que comme tu dis, un album est différent du premier. Ouais. Pas du premier, pas non, de l'EP, de l'EP, etc. Mais en tout cas, voilà, comment vous sentez vous aujourd'hui? Est-ce que l'album il est fini depuis quand même pas mal de temps? Il va sortir encore dans un mois. Ouais. Vous avez pas hâte, vous avez pas envie vraiment de le balancer à tout le monde? Je crois qu'on a hâte comme jamais. Carrément. Je crois qu'on en a un peu marre d'attendre. C'est comme une femme enceinte, les derniers mois. J'ai envie que ça sorte. Quoi. C'est un peu ça. Et puis surtout, il y a un truc un peu cathartique. C'est quand tu fais un album, t'as besoin de vraiment fermer la parenthèse et de dire ok, je l'ai fait, maintenant je passe à autre chose. Et du coup, dans notre tête, on est plus ou moins déjà passé à autre chose. Et d'ailleurs, on travaille déjà sur quelques nouveaux trucs. Mais on a quand même vraiment l'envie et le besoin de dire voilà, maintenant on a fait ça et régalez-vous. Quoi. Il faut continuer d'avancer parce que sinon c'est trop dur d'attendre en fait à se dire Et puis vous avez des dates qui vont tomber, etc. Ça va aller très vite, hein, mais. Pour nous, c'est la réussite du projet de faire autant de dates. C'est pour ça qu'on fait ça à la base, de sortir cet album, c'est pour aller le montrer, l'interpréter, le vivre en fait au public. Parce que c'est vrai que le propager sur internet, c'est une chose, on est super content de voir les relais, mais être face à des gens qui ont une réaction immédiate, c'est différent quoi, comme. À la toute base, on avait créé le projet, je me rappelle encore, on se disait putain, on a trop envie de faire des concerts. C'était un peu comme, tu sais, comme les Beatles au début, ils faisaient que du live. Puis à un moment, on leur a dit allez en studio, et puis en fait, ça a marché. Et du coup, nous, on nous a fait comprendre que si on n'avait pas de matière, si on n'avait pas d'EP, si on n'avait rien, on pouvait aller se brosser pour faire des concerts. Du coup, on a décidé d'enregistrer, et puis en fait, on s'est pris au jeu du studio, et puis après, on a fait des concerts. Et en fait, là, on a juste besoin de retrouver
trouver cette espèce de synergie de monter sur scène et de s'éclater quoi, parce que ça va être trop cool. Ah, mais au final, vous, votre groupe, il marche quand même plutôt bien, les pros ont des... Ouais. Il y a des bons échos au niveau de la presse pro, ça va plutôt bien, vous suivez un fil conducteur qui certes peut prendre du temps, ouais. Mais au final, ça va dans le bon sens et on verra justement où vous allez arriver, mais vous pensez déjà, vous voyez déjà dans 10 ans faire pourquoi pas la grande scène de rock en scène. C'est pour ça qu'on... C'est pour ça. C'est une grosse envie. On travaille pour ça, on travaille vraiment de façon, comment dire, on vise pas une ascension immédiate, enfin... C'est pour ça en fait qu'on fait des trucs aussi précis, aussi musicalement, qu'on se prend la tête à bosser un an et demi sur un album pour qu'il ressemble dans les moindres détails à ce qu'on voulait. C'est pour, justement, ça viendra pas directement je pense. Mais comme tu dis, notre but c'est dans 10 ans, on espère jouer sur la grande scène et on aura appris beaucoup de choses d'ici. Ce qu'on a remarqué en apprenant à s'intéresser à la musique, c'est que les carrières en fait se décollent pas vraiment au premier album. C'est plus sur la longévité que tu peux juger un artiste. La relation que t'es là avec le public, surtout. Exactement. Et en fait, c'est vraiment un tout qui fait qu'à la fin, tu regardes une carrière et tu te dis « waouh, elle est vraiment impressionnante ». Et en effet, tu comprends pourquoi aujourd'hui, il y a tous ces groupes qui passent sur la grande scène, parce qu'ils ont derrière un backup qui est vraiment monstrueux. Ils ont prouvé tellement de choses. Et pour ça, ils sont restés vraiment les plus intègres possibles, je pense. Et nous, c'est tout ce à quoi on aspire, rester maître de nous-mêmes et rester hyper intègre par rapport à la musique qu'on aime, qu'on veut produire, etc. C'est plutôt un beau pari, quoi. Et du coup, dans 10 ans, pourquoi pas, si on a réussi à être droit dans nos bottes et à être cool avec le public, qu'il y ait un bel échange. En tout cas, je confirme, il y a des beaux échanges qui se passent avec le public pour avoir vu notamment qui fait de la danse et puis d'autres concerts aussi avant. Et justement, parlons un petit peu de rock en scène. Donc là, on est là en scène, il y a quand même des grosses têtes d'affiches et des groupes un peu moins connus. Il y a des groupes qui sont découvertes comme vous, comme Nico Montoya, etc., que j'ai vu juste à l'instant. Ouais. Vous écoutez quoi? Vous avez envie de voir quoi, justement, rock en scène là? Ce soir, il y a Offspring. Ouais, ça va être pas mal, mais forcément. Ouais. La même génération, on a trop envie de les voir. Nous, on est très programmation du dimanche. On est trop contents d'être programmés le dimanche parce qu'il y a Alger, il y a Tame Impala. Oui, c'est vrai que Weirmatch ressemble beaucoup à Alger. Ouais, on nous et Alger, comme moi, je déteste en live. J'aime beaucoup les albums, mais c'est que je déteste en live. Non, mais moi, je dois avouer que personnellement, moi aussi, j'étais assez déçu de leur live par rapport à ce qu'ils promettaient, qui était tellement fou niveau composition, quoi. J'étais déçu de l'énergie qu'ils mettent en live, mais bon, ben là n'est pas le propos, mais... Bien sûr. En tout cas... Je veux pas se faire d'ennemis. Non, mais j'ai juste envie de les voir, parce que j'ai pas vu leur nouvel album sur scène, ni rien, donc j'ai envie de voir maintenant où ils en sont, et même les Chemical Brothers, hein, franchement. Ouais, j'ai eu la chance d'aller voir The Rocken, ça renvoie du lourd. Ouais, mais il paraît qu'il est tout seul, que c'est un Chemical Brothers, parce qu'il y a l'autre qui est parti faire ses études. Ah non, moi je les ai vus les deux. Ah d'accord, ok. J'ai pas eu grande histoire, peut-être que vous, étant vraiment proche des... On est au courant du business. Ouais, tout. Enfin, alors c'est des fausses rumeurs, on verra. Ouais. Non, ouais, il y a Offspring ce soir, l'album Americana, on l'a saigné comme des grands malades. C'était les groupes de notre adolescence, quoi. Enfin, même pas de notre adolescence, on regardait ça au Hit Machine. Ouais. Et du coup, ça va être marrant de les voir. Après, Tame Impala qui a sorti un gros album. Et vous écoutez quoi? Vous écoutez tout type de musique ou c'est plus du Alger justement, comme t'en parlais? Justement, Alger, on l'a écouté au moment du premier album quand ça venait de sortir. Qui était formidable. Quand ils étaient à leurs 4 premiers morceaux de l'EP, on était fous à ce moment-là. Et après, on a plus ou moins lâché. Donc je pense que ça inspire quoi qu'il arrive. C'est plein de choses qui t'inspirent, mais on n'est jamais resté ancré dessus. Donc nous, on est plutôt flattés quand on a dit que ça ressemble. Mais c'est vrai que c'était pas notre influence première. Non, pas du tout. Dans ce qu'on a le plus écouté. On écoute des trucs très variés chacun. Ouais, carrément. En fait, c'est vraiment hyper divers. Il y a des gros fans de Nine Inch Nails dans le groupe. Moi, je suis un gros fan de folk. Je bouffe du Dylan et du Bon Iver à foison. Je suis très fan de pop, type Phoenix et tout ça. Et même de trucs qui n'ont aucun rapport, comme Ben Howard demain, son nouvel album. Que... Ça va être pas mal ça. Nat Pater est un ancien métalleux, reconverti. Ouais. Voilà. Non mais c'est marrant, c'est comme un groupe qui était juste derrière Fauve, qui justement écoute un peu dans tous les styles, ils font leur propre musique. Comment vous réussissez à converger en fait toutes vos influences, vos envies, votre des folk, l'autre qui va être hip-hop, l'autre qui va être ceci, va être cela. Comment vous réussissez à converger pour faire votre propre son? C'est à main levée à chaque fois dans le studio. Je pense que déjà, vivre ensemble dans cette maison, pour cet album en tout cas, ça a énormément joué parce que tous les jours on se levait quand même en écoutant la même musique. Le soir on se couchait avec les listes de films que l'un avait donné à l'autre en regardant le film.
toutes les influences, elles se sont liées entre nous. Pas forcément musicales d'ailleurs. Mmh. Ah oui, mais carrément, ouais, ça joue vraiment en fait. C'est jamais vraiment que musical. C'est juste que le lendemain, tu te lèves avec des idées qui deviennent de plus en plus similaires entre nous. Et du coup, musicalement, ça se transmettait juste. T'as un gars qui arrive avec une idée, et puis on fait ça me donne une autre idée. Et puis petit à petit, on avait des trucs vraiment communs en fait. D'un clavier, d'arrangement, de structure, tout devenait hyper logique quoi, entre nous. On a réussi à converger vers une méthode de travail qui était hyper consensuelle et vachement démocratique. Hein, et c'était, en gros, il fallait que les 5 soient d'accord pour que l'idée soit validée. C'est pour ça que ça prend énormément de temps et qu'il faut maturer vachement le truc. Quoi, mais en fait, c'est, le produit il est fini. Ouais, voilà, c'est ça, fini. Carrément. Et surtout, chaque membre du groupe est en mesure de se reconnaître dans des petits détails qui sont placés par endroits dans l'album, et en fait tu te dis ah putain, en fait c'est cool, We Are Match, c'est nous tous. C'est nous tous, c'est pas forcément le chanteur, pas forcément le batteur, ou pas forcément... Non, bien sûr, mais c'est justement ça qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on serait incapable de... Si on se met tout seul à faire de la musique, ça va être de la merde. Mais c'est justement ce processus qui est d'apporter une idée, qu'elle soit complètement pétée par les autres, et tu rentres chez toi le soir, t'as envie de chialer, mais en fait le lendemain tu vois que tout le monde s'y est mis, et puis qu'en fait ça reconstruit. Et qu'en fait c'est encore plus malade que ce que t'avais en tête. Non mais parce que c'est ça aussi, il y a des questions d'ego à chaque fois où je pense qu'on l'a tous rangé, surtout à vivre ensemble et tout ça, on l'a rangé, justement, ça a créé des trucs géniaux quoi. Justement, t'admets qu'on te dise ton idée elle est pas bonne. Et tu fais, c'est vrai, parce qu'on peut faire mieux. Et ainsi de suite, quoi. Et c'est pyramidal, et à la fin, t'arrives à un truc où tout le monde se dit juste, waouh. Ouais, et puis le fait qu'on soit tous potes, c'est copain d'enfance. Et le fait qu'on ait Mario Football sur GameCube, ça a aussi beaucoup, ça a beaucoup joué. Ouais. Bon, très bien. Ouais. Bon, en tout cas, je vous remercie. J'invite tout le monde à écouter votre album qui sortira le 25 septembre. Merci à prendre toi. Ses billets à la Baroquinerie. Exactement. Le mois suivant. Ouais. Et partout en France. Et partout en France, bien évidemment. Mais je mettrai les petites dates et tout, comme il faut, ne t'inquiétez pas. Bon, je suis très content de vous avoir croisé parce que c'est la première fois. Et je vous ai vu souvent sur scène. Et je suis très content de vous avoir croisé. C'est cool. À une prochaine. Ciao. À une prochaine.